Tape-nous la main ce matin, moi qui n'ai pas spirituel, et moi moins spirituel, le bishop Kevin et le pasteur Sylvie Bermal, dans le nom de Jésus. Amen. Hi everyone. Salutations à vous tous. Please, can you please take your seat? S'il vous plaît, je capare gains de place. A very good morning to all of you. Bonjour à tout le monde. In this building and online. Tout bonne personne qui peut regarder nous en ligne. Can we give the Lord a big hand for yourself? Prends la main pour vous-même. Welcome in the presence of God. Bienvenue dans la présence de Dieu. For this first day of 2021. Pour sa 1er janvier 2021 là. Oh yes. Ah oui. We wish you all. Nous souhaitons tous. And your family. Et votre famille. A blessed new year 2021. Une l'année pleine de bénédictions. May the Lord bless you. Que le Seigneur les bénisse. And your family abundantly. Et votre famille abondamment. We also prophesy. Nous aussi prophétisons. And you lift up your hands. Est-ce que vous êtes capable de lever votre main? We prophesy. Nous prophétisons. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. That you will supernaturally prevail. Qui ont pour prévaloir surnaturel. In every area of your life. Dans toute une partie de où la vie. Amen. So amen. Et qui can tape une grande la main pour le Seigneur. Once again, all our brothers and sisters. Encore une fois, tous nos frères et sœurs. Online. Qui peut regarder nous en ligne. In Mauritius. À l'île Maurice. Different islands. Différentes îles. In Africa. L'Afrique. Europe. L'Europe. The USA. L'Amérique. Canada. Philippines. Philippines. India, l'Inde. Australia, l'Australie. Different parts of the world. Différentes parties du monde. We wish you a very blessed New Year. Nous souhaitons une très bonne heureuse année 2021. We also prophesy supernaturally prevail. Nous aussi prophétisons une prévaloir surnaturelle. Amen, please. Of course, I will preach on this subject. Et bien sûr, vous pour prêcher sur ce sujet-là. Just later during the meeting. Et après, pendant la réunion. Wonderful. Before we merveilleux. Stand. Laisse-nous mettre nous debout encore une fois. And let us appreciate the team. Let's give a lot of praise. Laisse-nous apprécier toute l'équipe. It's a big work. C'est un grand travail. Today, yesterday we had our deliverance meeting. Encore une fois, hier nous tenons nos réunions de la délivrance. After deliverance meeting. Après la réunion de la délivrance. Bring, take all the stuff there. Et nous prenons tout mon kit, tout mon équipement depuis 80 pour apporter ici. And I know some people reach home, but 11, 12 o'clock. Et moi connais la bonne personne, je viens arriver à la case 11h à minuit le soir. And of course, after the meeting, going back, taking back all the equipment to the et church. Et après la réunion là, pour reprendre tout le monde qui se pour ramener encore. We pray for them. God bless donc, you all. Donc priez que Dieu les bénisse tous. Let us give the Lord a big hand for them. Une grande main pour eux. Merci. Thank you for this great work. Merci pour ça grande faille là. In the name of dans Jesus. Le nom de Jésus. Well, as we standing. Bien comment nous pouvons mettre nous debout. Let us give the Lord a big hand. Laisse ta peine grande la main pour open le Seigneur, ouvrez cette équerre, as we are going to worship the Lord. Et nous adorons le Seigneur, merci. Alléluia, amen. Nous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons tous là une bonne et heureuse année 2021, amen. Vous les bonnes dire ensemble avec moi. Vos bon Dieu, dis à l'équipe, vos bon Dieu, dis pas pour laisse-moi tomber. Laisse-moi tomber. Que la gloire te réveille la terre.
papa, papa, laisse-moi tomber. Oh Jésus, papa, laisse-moi tomber. Sous l'esprit, papa, laisse-moi tomber. Hearing your love.
Amen. Et voilà, quand on est debout dans la présence de Dieu, laisse-nous taper de la main bien fort. Nous pour accueillir l'enseignant Gavin et le Trinity leader Yannick qui vous continue avec la rime. Alléluia. 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 Glory be to Jesus. Gloire à Jésus. Good morning, everybody. Bonjour à tous. In the name of the Lord Jesus Christ. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. And bless New Year 2021. Une joyeuse année 2021. Let us open our Bible. Laisse-nous ouvrir nous la Bible. In 1 Corinthians chapter 11. Dans 1 Corinthiens 11. Verse 23. For I receive of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. This do in remembrance of me. In like manner also the cup of the supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. 23 en français, s'il vous plaît. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death till he come. Quand toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Today, in this moment, aujourd'hui, dans cet instant, we are celebrating the Lord's Supper. Nous devons célébrer la Sainte Cène. We are doing it in remembrance of our Lord Jesus Christ. Nous devons faire pour rappel du Seigneur Jésus-Christ. This is a very blessed moment for us. C'est un moment béni pour nous. The Lord Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. There is no other way. Il n'y a aucun autre chemin. There is no other truth. Il n'y a aucune autre vérité. There is no one that can give us life. Il n'y a personne qui est capable de nous la vie. Except the Lord Jesus Christ. Excepté le Seigneur Jésus-Christ. We can truly say that this morning. Nous pouvons vraiment dire que ce matin. We are blessed. Nous bénis. To celebrate the Lord's Supper. Pour célébrer la Sainte Cène. This morning we are blessed. Ce matin nous bénis. To take this cup. Pour prendre cette coupe. To eat this bread. Pour manger ce pain là. It is the blessing. It is the blessing of the Lord. C'est une bénédiction du Seigneur. Many times we think of a blessing of the Lord as material blessing. Souvent nous pensons à une bénédiction du Seigneur comme une affaire matérielle. Yes, material blessing is included in the blessing of God. Oui, ma bénédiction matérielle est inclue dans sa bénédiction là. But this moment. Mais ce moment là. When we take this bread, which is the body of the Lord Jesus Christ. Quand nous prenons ça l'écho, ça du pain qui représente le corps du Seigneur Jésus Christ. This bread. In our hand. Ça dit pain là dans nos mains. Is no more a normal bread. Il n'est plus un pain normal. It is the body of the Lord Jesus Christ. Il est le corps du Seigneur Jésus Christ. This cup. Sa coupe là. Is not only some juice. Il n'est pas uniquement un jus. But this cup. Mais sa coupe là. Is the blood of Jesus. Il est le sang de Jésus Christ. The blood of the covenant. Le sang de l'alliance. Many times. Souvent, we cannot imagine. Nous pas capable d'imaginer. We cannot think.
Il pas qu'à penser. How big, how great, how wonderful, how marvelous. Comment grand, comment merveilleux. The blessing that God has given us. Sa bénédiction que Jésus nous donne nous là. To be able. Afin capable. To be here. Être ici. In this, in his presence. Dans sa présence. I tell you. Me disais. This morning. Ce matin. I'm blessed to be here. Me béni d'être là. It is a great blessing. Une grande bénédiction. Just to be here. Juste nous qu'à être là. In the presence of God. Dans la présence de Dieu. I would rather be here. Je préfère être là. Than any other places. Qui n'importe quelle autre place. And we are taking the blood of a covenant. Et nous prenons le sang de l'alliance. We have a covenant with our God. Nous avons une alliance avec nous, bon Dieu. God Himself make this covenant. Covenant bon with Dieu us. Même lui-même fait cette alliance avec nous. Let us stand to our feet. Those who have gone through water baptism. Ceux qui ne prennent le baptême, laisse-nous mettre nous debout. As we invite Bishop Kevin to come forward at the table of the Lord's Supper. Et comme on invite le Bishop Kevin à la table de la Sainte Cène. Just think about the blessing. Juste pense sa bénédiction là. To be here. Pour être ici. To partake in this blessed Lord's Supper this morning. Nous allons participer dans la Sainte Cène bénie là ce matin. Thank you, Teacher Gavin, for the word. Okay. And once again, a very good morning to those who just joined us. Encore une fois, et bonjour à tous ceux qui viennent joindre nous. Amen. We, as you have the Lord's Supper in your hand. Comment vous êtes là, la Sainte Cène dans votre main. Amen. Let us read this prayer, please. Laisse-nous répéter cette. Say, Lord Jesus. Du Dieu Seigneur Jésus. I believe in my heart you died. I confess with my mouth God raised you from the dead. You are alive, Jesus. You are my Lord and my Savior. Forgive me of all my sins. Pardonne-moi de tous mes péchés. I forgive me pardonne those who have offended me. Tous ceux qui font offense moi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you for my salvation. Merci pour mon salut. And as you saved me. Comment tu viens sauver moi. I pray, oh God. Me prier, Seigneur. For the salvation. Pour le salut. Of my family and friends. De mes familles et amis. And you use me. Et tu es capable de servir moi. To bring them in your kingdom. Pour amener eux dans ton royaume. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you, God. Merci, oh Amen. Dieu. Can you please keep the Lord's Supper in your hand? Vous êtes capable de continuer à garder la Sainte Cène dans votre main. I have a pastor Levry and all the team. Let us take a song, worship the Lord. Le pasteur Levry vous dirige nous dans le chant de bois d'or le Seigneur. I said it in Thanksgiving. Vous finissez d'y aller dans Thanksgiving. Celebration, party, all the dance is very good. Célébration, vraiment faire la fête, les bien bon. It's amazing. You look, all of you look beautiful, handsome and beautiful. Et je trouve qu'il a paraît très belle et beau. Of course, as usual. Et comme d'habitude. But what we are doing is spiritual. Mais ça qui nous peut faire les spirituels. That's why we must really focus on what the Lord is saying and doing. Amen. C'est pour cela qu'il nous besoin focus sur ce qui bon Dieu peut dire et nous faire ce qu'il dit à nous. Thank you. Merci. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Please, let us keep our heart open. S'il vous plaît, laisse-nous garder nos cœurs ouverts. All the blessing, toute la bénédiction, all the promises of God, toutes les promesses de Dieu, are based, les basées, on the blood, les fondées dans le death, sang, the resurrection of Jesus Christ, les fondées dans le sang, la mort et la résurrection so de notre Seigneur what Jésus. What we are doing this morning, ce qu'il nous peut faire ce matin, it is not just another item on this program. C'est pas juste un item dans le programme. It is a very foundation of our spiritual life. Et c'est la fondation même de nous la vie That's spirituelle. That's why I want to take the time to open our heart before us this morning. C'est pour cela qu'il me prend le temps pour ouvrir nous les cœurs dans la présence de Dieu ce matin. Please repeat this prayer after me. S'il vous plaît, répète cette prière après moi. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I thank you. Me remercie toi. With all our hearts, say, I thank you. De tout le cœur, me remercie you toi, Seigneur. You died on the cross for me. Ton mort sur la croix pour moi. Jesus, Jésus, you shed your blood. Ton verse de sang. For me, à cause de moi, to be saved, pour être sauvé. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. And you were rose again from the dead. Et tu es venu ressuscité d'entre les morts. You are alive, Jesus. Donc vivant, Seigneur Jésus. The presence of God is here this morning. La présence de Dieu est là ce matin. Say it with me in Jesus' name. Dis au nom de Jésus. Jesus Christ, Seigneur Jésus Christ, rose from the dead, est ressuscité d'entre les morts. He is alive. Il est vivant. He is my King. My Lord, mon Seigneur, and my Savior, mon Sauveur. I declare this morning. Je déclare ce matin. I am a child of God. Un enfant du Dieu vivant. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Bless this bread. Bénis ce pain. To represent. Qui représente. Your body bruised on the cross. Ton corps brisé sur la croix. By the stripes of Jesus. Par le maître chien de Jésus. I have been healed. Ma fille des anges. We proclaim, on proclame, declare, on déclare, healing, la guérison, deliverance, la délivrance, miracle, on all the people who are sick, on tous ceux qui sont malades, we command healing, nous commandons la guérison, good health, la bonne santé, bonne santé, long life, longue vie, on God's people. Dans le peuple de Dieu. Bless this cup, oh God. Bénis cette coupe, Seigneur. To represent. Qui représente. The cup of the new covenant. La coupe de la nouvelle alliance. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I am a child of God. Mon enfant de Dieu. I am in covenant with God. Mon alliance avec mon Dieu. I claim. Me réclamer. All the promises. Toutes les promesses. Of the new covenant. De la nouvelle alliance. In my life. Dans mon la vie. My family. Dans la vie de ma famille. In Jesus' au name. Au nom de Jésus Christ. I declare. Pour déclarer. Year 2021. L'année 2021. Listen. This is in my program. Écoute ça, c'est mon programme après. Just before we preach the word. Avant qu'il me prêche la parole. Consecrate this year. Pour consacrer cette but année. But I think it's very spiritual and symbolic what we are doing now. Mais mon croire est très spirituel et symbolique ce qu'il nous peut like faire. I say. Comment on dit? Our victory is based on the death and resurrection of Christ. Nos victoires sont basées sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Our blessings. Nos bénédictions. Are based on His death and resurrection. Ils fondés sur la mort et sa résurrection. Thank you. Somebody say thank you, Jesus. Quelqu'un dit merci, Jésus. I am in your presence. Moi, dans ta présence. This first day of 2021. Sa premier jour 2021. So let us already consecrate this year. Laisse-nous consacrer l'année 2021. Because God, à cause Dieu, heaven, les ciels, recognize, les reconnaître, this bread as the body of Christ, ce pain comme le corps de Jésus, this juice as a cup of the new covenant, sa coupe là comme la coupe de la nouvelle alliance, Satan, and all his demons, et tous ses démons, know the power, je connais la puissance, of this bread and juice in your hand, de sa petit pain et de sa breuvage dans la main. So I want you to engage yourself. Alors mon laisse t'engager même. In the spiritual world. Dans le monde spirituel. Let us consecrate this year. Laisse nous consacrer ça l'année là. Are you ready? Are you ready? Est-ce que tu es prêt ce matin? Maybe before we do that also. Avant qu'il nous fasse aller peut-être. We want to thank and appreciate. Nous le remercier, apprécier. The team who prepared the Lord's Supper team. Toute l'équipe qui prépare la table de la Sainte Cène. Thank you, Lindsay and Rina, Dario and family, Kailash and family.
Merci, Sister Reddy, and also Brother Subban and Rajesh. May God bless you. Et tous ceux qui Bishop Finn mentionné, nous remercions que le Seigneur les bénisse. For this good work. Pour ce bon travail. May the Lord increase the seed you sow. Que le Seigneur vraiment les multiplie ses mains de semer. You continue to do good works. Afin que chacun continue cette bonne œuvre. Amen. Amen. Oh my God. Dieu. I don't know about you. Mais pas contre vous. I feel the atmosphere has shifted this morning. Moi, j'ai ressenti que l'atmosphère vient de shifter ce matin. Viens, Pascal, viens avec moi, viens avec moi. Viens. Oh, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. You know, without the anointing. Ne connais sans l'onction. Please understand again what I'm saying. Don't take me wrong. Écoute ce qu'il m'a dit. Pas mal pense ce qu'il m'a dit. We will have a short party this just after the meeting. Nous pourrons une très courte fête célébration après. But you know, party. Mais je te connais, célébration. Won't deliver us. Pas vous délivrer nous. It is the anointing of God and the power of God. C'est l'onction et la puissance and de Dieu. And we thank the Lord. Et nous disons merci le Seigneur. We give Him all the glory. Nous donnons toute la gloire. For His amazing anointing in this church. Oh, et l'onction extraordinaire qu'il a ce matin. Again this morning. Encore une fois ce matin. The Lord is present in this place. Le Seigneur est présent dans ce lieu. The Lord is faithful in this divine appointment. Le Seigneur est fidèle dans sa to bless you divine. And your family. Vous bénissez votre famille. Are you ready? Are you ready? Est-ce are you prêt? Ready? Est-ce prêt? Okay, let us pray and we do this prayer together. Laisse-nous prier. Oh, rabakata rab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 a. Oh, no robo shekete rebebende. 1 minute pray. Déjà changé mon pasteur. Oh, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh my God, I tell you, pray. You better pray for yourself. Priez pour vous-même. I feel the anointing of God. Vous ressentez l'onction de Dieu. I am telling you again. Priez pour vous-même encore une fois. The Lord. Le Seigneur. Is walking in our midst this morning. Il marche au milieu de nous ce matin. I can feel the presence of angels in this place. J'ai ressenti la présence d'un ange ce matin. I can see the glory of God. Je vois la gloire de Dieu. Open your heart. Already blessed for 2021. Oh, nous déjà bénis de cette année 2021 là. When God moves like that, quand bon Dieu vraiment les mouvoir comme cela, no devil can stop him. Aucun démon peut arrêter. Let us declare this. Laisse-nous déclarer cela. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Once again, I thank you. Encore une fois, je remercie for your glory in this place. Je remercie ton Seigneur pour de la gloire dans ce lieu, pour de l'onction in my life. Dans mon la vie. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, I consecrate, me consacrer, my life, pour la vie, my family, pour famille, for 2021, pour l'année 2021, I consecrate, me consacrer, every day, chaque jour, every week, chaque semaine, every month, chaque mois of 2021, de l'année 2021, to you, oh God, à toi, oh Dieu, I give you all the glory, je donne toute la gloire, I thank you again, je remercie toi encore une fois, you have blessed me, tu as béni moi, protected me, protège-moi, saved me, sauve-moi, in your 2020, dans l'année 2020. Yes, Lord. Oui, Seigneur. I thank you. Me remercie toi. For the breakthrough. Pour vraiment me percer. Last year. L'année dernière. I dedicate. Me dédié. I consecrate. Me consacrer. This new year. Cette nouvelle année là. To you, oh God. À toi, oh Dieu. Thank you, God. Merci, Seigneur. Let your face shine upon me. Que ton visage brille en moi. You give me peace. Te donne-moi la paix. You be great. Give me this scripture, please, on the screen. Donne-nous cette écriture, s'il vous plaît. Numbers 6:24-25. Nombre 6:24-25. Let us declare it. Let us declare it. Laisse-nous déclarer ce verset. Oh,
Praise God, praise Louer God. Louer soit le Seigneur. I say praise God. Louer soit le Seigneur. Thank God for new clothes. Merci pour ma linge Thank neuf. Thank God for new hairstyle. Merci pour ma coiffure. Thank God for new lipstick. Merci Seigneur pour rouge à lèvres. Thank God for new t-shirt and jeans. Merci Seigneur pour ma linge But above all, we thank Him for His presence and glory. I don't know about you, I am ready for this year. Yes! Say in the name of Jesus. Dis dans le nom de Jésus. I thank you, Lord. Me remercie toi, Seigneur. That you turn your face. Qui te fait tourne de face. Toward me and give me peace. Vers moi, donne-moi la paix. Me and my family, oh God. Moi et ma famille, oh Dieu. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Give me the following scripture, please. In the name of Jesus. Dans le nom. Say, Lord, I thank you. Seigneur, let's start by verse 24, please. Laisse-nous commencer verset 24. Say it again. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I declare. Me déclarer. The Lord bless me. Le Seigneur lui bénit moi. And my family. Et ma famille. My business. Mon business. And keep me. Et garde-moi. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I pray. Me prier. Verse 25. Verset 25. Please, guys. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. I declare. Me déclarer. The Lord make His face. Le Seigneur fait son visage. Shine upon me, my family. Hello, moi et ma famille. My business. Dans mon business. Be gracious unto me. Et accorde-moi sur la grâce. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. The Lord turn His face toward me. Le Seigneur il tourne son visage my vers family. Moi. Give me peace. Et donne-moi la paix. Success. Succès. Victory. Victoire. More than conqueror. Plus que vainqueur. I declare. Me déclarer. I prophesy. Me prophétiser. In the name dans of le Jesus. Nom de Jésus. This year. Cette année-là. I will supernaturally prevail. Me poussion. Victoire. I will triumph. Je vais triompher. I will have advantage. Je vais prendre l'avantage. In every area of my life. Chaque facette de mon vie. I declare. Je déclarer. Victory, success. Victoire, succès. Right now. Maintenant même. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Every demon. Chaque tout démon. Against my family. Contre ma famille. My life. Contre mon progrès, dream and vision. Contre mon rêve et vision, defeated. Je suis vaincu. Au nom de Jésus, je déclare toutes les promesses et la bénédiction de Dieu pour 2021. Ni pour arriver devant la vue, dans le nom de Jésus Christ. I declare. Je déclare. Lord, I take. New resolution Seigneur, me prends une nouvelle résolution ce matin. First of all, avant tout, in Jesus' name, dans le nom de Jésus, I will love you more. Me vous compte à toi plus. With all my heart, de tout mon cœur, my mind, de tout mon pensée, my soul, my strength, de tout mon âme, de tout mon la force, and walk toward love, et me vous marche dans l'amour, towards one another, envers chaque, envers les autres, according to the first and second commandment. Selon vraiment le premier et second commandement, I declare, me déclarer, I will increase, me pour augmenter, in the love of God, dans l'amour de Dieu, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, I take the resolution, me prends cette résolution, this year, cette année-ci, I will increase spiritually, me pour augmenter spirituellement, I will get closer to you, oh God, me pour venir plus près avec toi, I will pray more, me pour prier plus, I will fast more, me pour jeûner plus, I will be more present at I'm set in church. Je suis plus présent dans l'église. I will work for your kingdom. Je marche, je travaille pour ton I royaume. Will bring many souls in your kingdom. Je ramène beaucoup d'âmes dans le royaume de Dieu. I will multiply my financial support to the kingdom of God. Je multiplier mon support financier dans le royaume de Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I thank you, Lord. Je remercie toi, Seigneur. I take this resolution. Je prends cette résolution. I will be determined. Je vais être déterminé. Full of faith.
rempli de foi. Stand on the word of God. Debout de la parole de Dieu. For all his promises. Pour toutes promesses. In my personal life. Dans ma vie personnelle. My family. Dans ma famille. My business. Dans mon business. Education. Dans l'éducation. Every area of life. Dans chaque facette de ma vie. I will give the best of myself. Je vous donne le meilleur de moi. According to the plan of God. Selon le plan de Dieu. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Réunion finie, car la case. Bon, on a deux, trois affaires. Laisse-nous passer à Charles. Quand il descend. En passant, l'atmosphère a déjà changé. Mais on va chanter. S'arrête, il y a transition. Alléluia. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le online. Also a special greeting to all my brothers and sisters from overseas, but who are here in Mauritius. May God bless you. And a salutation spéciale à tous nos bons frères et sœurs venant dans les autres pays. We love you. We know you are away from home. May all His promises come to pass in your life. Malgré cette loin exode la case qui veut tu ses promesses divines vraies des autres la vie. And right now. Et maintenant. I invite you. We may partake of the body and the blood of Christ. Nous capables participer dans le corps et le sang de Jésus. Amen. Merci. Tout ce qui ne finit pas par la Sainte-Seine, du capable de gagner votre place. Amen. All who have already had the Lord's Supper, you can have your seat, please. Et maintenant, nous pouvons inviter Yannick et Johan pour les annonces. Nous tapons la main ou encourageons ce matin. Merci. And now we'll invite Yannick and Brother Johan for the announcement, please. Let us welcome them. Let us clap for them, please. Special greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Salutations spéciales de notre Seigneur Jésus Christ. Bishop Kevin and Pastor Sweetie warmly welcome you in the presence of our Lord. Le Bishop Kevin et le Pasteur Sweetie Perval vous accueillent chaleureusement dans la présence de Dieu. People of God, we are living in an exciting time. Peuple de Dieu, nous pouvons vivre dans un temps d'excitement.
We are not just talking about a building project. But it is the mission that God has entrusted to each one of us. C'est une mission qui bon Dieu qui t'avait chacun d'entre nous. We give God all the glory. Nous donnons Dieu toute la gloire. For His grace. Pour la gloire. And thank you, people of God. Et merci peuple de Dieu. For consistently standing in unity for this mission. Pour nous debout ensemble dans sa mission. Let us together view the progress of the work. Laisse-nous être ensemble et de la vidéo. And we will see the video. Bonsoir à tous. We are here on the site of construction. Nous là au site de construction. This is Wednesday, 23rd of December 20. C'est mercredi 23 décembre 2020. We just started with rough concrete. D'une fête commence coulage de la base. It will go right through the night. Il peut aller toute la nuit. Until tomorrow morning, 24 December. Jusqu'à demain matin, le 24 décembre. About 700 meter cube of concrete. C'est à peu près 700 mètres cubes de béton. Approximately 100 trucks of concrete. Donc là, nous avons besoin d'environ 100 camions de béton. So we thank God. Donc nous disons bon Dieu merci. Let us continue to be obedient. Laisse-nous continuer d'obéissant. Praying, fasting and sowing. Laisse-nous continuer prier, jeûner et semer. Until we see this project completed. Afin qu'il nous trouve ce projet là, l'y compléter. Thank you. Merci. God bless you and your family. Et bon Dieu bénisse vous et votre famille. Bye bye. Thank you.
Week after week, we are seeing how the work on site is progressing. Semaine après semaine, nous allons trouver comment les projets peuvent progresser vite. Do you realize? Est-ce qu'ils sont réalisés? We are building for the generations to come. Nous allons bâtir pour une génération à venir. So, let us partner faithfully for this mission. Laisse-nous venir partner ensemble fidèlement pour cette mission là. We believe that if everyone can sow every month, very soon the project will be completed. Si nous tous qu'il y a nous semer continuellement chaque mois, ce projet là vite pour une réalité. Just do your best and be consistent, and surely the Lord will bless you according to His promises in Psalm 132. Laisse-nous tous nous juste pour faire le meilleur que nous capable faire et ce projet là pour réaliser et que nous pouvons être bénis comme dans Psalm 132. God will build your house. Bon Dieu pour bâtir les autres la case. Abundant provisions. Je vous donne une grande provision. Blessed and guaranteed future. Je vous donne un futur béni et garanti. Deliverance from all your enemies. Et je vous donne la délivrance de tous les ennemis. All those watching us online can be a partner in this project by filling your form in the link in the comment areas. Et tous ceux qui en ligne, même capables de semer, je peux trouver dans les commentaires un bon link et un détail bancaire. Over announcements. Et nous passons aux autres annonces. Sunday 3rd of January 2021. Samedi le 3 janvier 2021. We will have two meetings at LMI Quatre-Bornes. Et nous pourrons avoir deux réunions à Quatre-Bornes. First meeting at 8 and finishes at 9:30. Première réunion pour commencer à 8h et terminer à 8h30. Second meeting 9:45 till 11. Et une deuxième réunion pour commencer à 9h45 jusqu'à 11h. The 7th of January 2021. Et le 7 janvier 2021. National Deliverance meeting at 9:30 a.m. at Light Ministries Quatre-Bornes itself. Nous pouvons avoir nos réunions de délivrance à 9h30 toujours à Light Ministries de Quatre-Bornes. Thank you for your attention. We will now invite Pastor Sweetie and preacher Jessila to continue with the meeting. Merci pour votre attention. Et si nous tapons la main, nous accueillons Pastor Sweetie et prédicatrice Jessila. Amen. Laissez-nous taper un grand la main pour eux. Merci pour les annonces. Amen. Let us clap our hands for them. Thank you for the announcement. Et tout de suite, laissez-nous pour regarder un vidéoclip de la réunion de délivrance. And right now, we'll watch a video clip of the deliverance meeting. Nous donnons Dieu la gloire pour tout ce qu'il peut faire. We give God all the glory for all He is doing. Et nous pouvons écouter un témoignage. And we listen to a testimony. Ok. Donc, nous pouvons skip ça. Nous pouvons. Okay. We won't have the testimony. Donc, laissez-nous mettre nous debout, s'il vous plaît. Let us please stand on our feet. Nous vous tapons la main. As we clap our hands. Nous accueillons nos papas spirituels. And we welcome our Bishop spiritual Kevin father. Bishop Kevin Perman. Et aussi. And also. Nous pour accueillir. We welcome. Le pasteur Mévin qui peut interpréter. Nous tapons grand la main. Nous accueillons eux. Pastor Mévin who will interpret. Let us clap for them. Et comment on dit une bonne année. Nous si nous les disons une très bonne heureuse année 2020. Qui bon Dieu les bénisse eux. Si ensemble, amen. And as they pour toute bonne bénédiction, pour tout ce qu'ils ont fait faire pour nous, donc nous les disons une très bonne et heureuse année 2021. Merci. So nous tapons grand la main pour eux. Okay, let us clap for them. Thank you. Please stay here. This is new. Thank you. Something is changing 2021. Let's give a Lord a prayer. Thank you, amen. Merci, amen. You know, as you go along in your... Please take your seat. As you go along, the more the years are passing by, you are married. Au fur et à mesure l'année passée, nous mariés. I think it's like that. Amen. After 20 years, then the wife starts appreciating, understand the value of the husband. Donc après 20 ans là, qui passait sur YouTube, commence à apprécier. Sister Maya is saying vice versa. Okay. You know, I don't finish my sentence. Yeah, vice versa. It's okay. Pour la grâce de Dieu. Oh, I don't know about you, but we thank the Lord again. What a wonderful presence of God. Quelle présence merveilleuse de Dieu. That's why we just have to flow with the Holy Spirit. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit. We have declared it, seal it. Nous finissons déclarer. To have a blessed year 2021. Dans l'année 2021 béni.
Listen to this. Écoute ça très bien. You cannot die. Je suis pas capable s'aimer. Non, non, non. Mo, 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 oh, oh, oh. Non, sorry. Died. You cannot die. Je suis pas capable mourir. Without the plan of God being fulfilled. Sans que le plan bon Dieu t'accomplisse de la vie. Oh, oh, oh. This is a revelation from God. Ça, c'est une révélation de la part de Dieu. Okay, let me help you this. Lift up your hands. Say, I cannot die until all the plan and purpose of God is fulfilled. Avant qu'il ait un plan de Dieu, il accomplit dans la vie. So don't worry about anything. Donc pas qu'être tracé de rien. About COVID-19. Et COVID-19. I heard it has become COVID-21 now. Oh, we don't worry in Jesus' name. Just walk with the Lord. Dispense avec mon Dieu. You shall live. Je peux vivre. Oh, you shall go from glory to glory. Je peux vivre. Je parle de gloire en gloire. Okay, we have only 10-15 minutes maximum. On a 10 à 15 minutes maximum là. That's okay, we'll be on time. Okay, nous pour dans les temps. Oh, praise God. Amen. In this place, you know, I think Domaine Sidlou is engraved in our mind, our heart. Et là, Domaine Sidlou est engravé dans nos pensées, dans nos cœurs. Especially we had experience God in a mighty way in our last Thanksgiving. Il a une expérience merveilleuse de la part de Dieu dans Thanksgiving. And also today. Et aussi aujourd'hui. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. I think we missed offering, but we'll get ready, Preacher Sanjeev afterwards, and Elizabeth. Where's Elizabeth? It's good. We are focusing on what God is doing. Amen. Let us say this with me. Say, Holy Spirit. Not by might. Pas par la puissance. Not by power. Pas par pouvoir. By you, Holy Spirit. Mais par toi, Saint-Esprit. Thank you. Merci. Your anointing. Ton onction. Destroy every yoke. Détruire tout bandeau. Remove every burden. Retire tout fardeau. I receive. Pour recevoir. Your power. De puissance. Your glory. De la gloire. And your anointing. Et ton onction. Amen. Amen. Those here listening to us online all over the world. Bah, ceux qui en ligne, ils regardent nous à travers le monde. Please let us know where you are watching. Laisse-nous connaître que ça je t'étais, que ça je peux regarder nous. Again, we appreciate you. Et nous apprécions eux. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Yesterday we had our deliverance meeting. Hier nous étions dans le rayon délivrance. Our sister in Ireland. Notre sœur de Ireland. Was watching 5:40 a.m. in Ireland at 0 degrees. Oh God. Et Ireland peut faire 0 degré. And of course, yesterday we had people in California. God bless you all. Et aussi, mandimo dans Californie. Bon Dieu bénisse tous. Let us go in the word of God. Laisse-nous passer la parole After de that, Dieu. After that, we do the offering. Then we see at the same time the fruits for 2021. Is that okay? Et juste après, nous pour faire okay. In Genesis 32, verse 24 to 30. Dans Genèse 32. I will read verse by verse. Nous pouvons lire verset par verset. Because this is, of course, it's a short meeting. Verset, c'est un rayon très court. Maybe we'll continue to develop this message, this revelation. Et nous pouvons continuer de développer cette révélation. But please pay attention. S'il vous plaît, restez concentrés. Every 1st of January, you know, we are, of course, we are prayed before God. Give us a word. À chaque fois, le 1er janvier, nous prions avant, bon Dieu, une parole. And we take this word and run with it for the year. Et nous prenons sa parole là. Nous galons pas avec lui pendant toute l'année. Let's start. Genesis 32, verse 24. Genèse 32, verset 24. Then I'm talking about supernaturally prevail. Because un prévaloir surnaturel. I will explain to you what prevail means. Pour expliquer ce qu'était prévaloir veut dire. Okay. It means triumph. Veut dire triompher. Overcome. Veut dire passer dominate. Dessus, dominer. Have advantage over. Et dans l'avantage sur. This is very, very powerful. Ça, c'est très, très puissant. Verse 24 of chapter 32. Verset 24 du chapitre 32. Then Jacob was left alone and a man wrestled with him until the breaking of the day. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Somebody say with me. Un dit-moi avec moi. Verse 23 plus 1. Verset 23 plus 1. How much does it make? Comment il fait? 24, okay. Somebody on this side say 25 minus 1. De l'autre côté maintenant,
Lydia 25, chrétien N. It's 24, is that okay? Lydia 24. Because I know some of you went to bed early in the morning, 1 o'clock, I understand. Amen. And again, all the team yesterday, they had a wonderful party for the kids' villa there. Thank you, Brother Mike and all the family. And fait they had a barbecue, firecrackers with the kids' villa. Can we give the Lord a big and appreciation? Kids' villa. Un grand petit pour vous. And again, we were very busy. Encore une fois, nous étions très occupés. We were there. We had run for a funeral. Our brother Jude's grandmother went home to be with the Lord. Et la grand-mère de notre frère Jude est allée vers le Seigneur. Nous étions dans. Don't worry. 99 years old. It's okay. Non, 99 ans. Okay. Amen. But of course, we had to be the family today. This morning, we are organizing the funeral there. Et là, aujourd'hui, là, nous pouvons faire l'enterrement aussi. But again, we thank the Lord for this wonderful team. Amen. Et là, nous remercions bon Dieu pour ça, l'équipe merveilleuse. Okay, this is verse 24 now. Verset 24 là maintenant. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? There is 23 verses before this. Avant verset 24, il y a 23 versets avant. De ce chapitre-là. I just give you an introduction for you to understand the context of this chapter. Une introduction pour comprendre le contexte de ce verset-là. Jacob, you know, he took the blessing of his brother Esau. Moi, je connais Jacob, il me prend la bénédiction de son frère jumeau Esau. C'est long story, cutting short. C'est une longue histoire, nous fait vivre une épicote. Of course, when his brother Esau came to receive the blessing from his father, et quand ce frère Isaac, Esau, tu peux venir vers son papa Isaac pour recevoir la bénédiction. He learned that Jacob was already came and took the first blessing. Donc là, Jacob vient avant lui, il prend première bénédiction. Of course, his brother Esau was mad. Bien sûr, Esau, il était fatigué, ça, il vient. And Jacob was afraid. Et là, Jacob qui a peur pour sa vie. He left the country. Il quitte le pays, aller sauver. Left his family. Il quitte sa famille. And fled for his life. Aller sauver, il pour protéger sa vie. And he was away from his family for 20 years. Somebody say 20 years. Et dis-moi 20 ans depuis. Pendant 20 ans, il reste loin de sa famille. After 20 years, après 20 ans, God called, spoke to Jacob. Bon Dieu cause avec Jacob. And say, return to your country. Il dit, retourne dans ton pays. So this is a little bit the context of this chapter. Donc ça c'est le contexte de ce chapitre là. And now God met Jacob. Et là, bon Dieu il rencontre Jacob. And you see that? Et je trouve ça. He had encounter with God. Donc, il y a une rencontre, une communication avec Let's Dieu. Read verse 25. Verset 25, s'il vous plaît. Now, when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait verse avec 26, lui. And he said, verset 26. Let me go for the day breaks. Verset 26, il dit, laisse-moi aller quand l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu But m'aies béni. But he said, I will not let you go unless you bless me. Il dit à moi, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller jusqu'à tu m'aies béni. Somebody say determination. Je vous dis détermination. This somebody say violent in the spirit. Je vous dis violent en esprit. Somebody lift up your hands. Je te la mets. Say in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I am more determined than the years before. Je suis plus déterminé qu'il y a une année avant. To receive all the blessings of God. Pour recevoir toute bénédiction de Dieu. Somebody give the Lord a big hand for yourself. Je vous donne un grand applaudissement pour vous-même. And verse 27 and 28, then I look at the points. Verset 27 et 28, and he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with man and have prevailed. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Okay, those who can read this in English, go back in English. C'est pas ce qu'il y a lié en anglais, il y a en anglais. This is the verse. This will be on the calendar. I think everyone will you receive your calendar today. Ça c'est le verset du bouquet, le calendrier.
Amen. You will have this prophetic word on that. Let's read with me. Laisse-le lire avec moi. And he said, go. When he said, anglais, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God, with man, and have prevailed. In French. En français, lis avec moi, s'il vous plaît, de parler. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. And verse 28. Et verset. Verse 29, maybe, yeah. Verset 29. Then Jacob asked, saying, tell me your name. I pray, he said, why is it that you ask about my name? And he blessed him there. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. This year, cette année-ci, you shall supernaturally prevail in every area of your life. Cette année-ci, je peux prévaloir surnaturellement dans tout secteur de la vie. Every year, we don't just bring a word just for the sake of bringing a word. Chaque année, nous amenons une parole. Si ça coûte bien, amenons une parole. This is very prophetic. Ça est très prophétique. Every year, we see this. Chaque année, nous trouvons ça. People who walk, believe, and apply those words. Mandibou qui meurt, c'est qui applique sa parole dans la vie. Have seen the fulfillment of the word every year God gives them. Trouve sa parole accomplie. Can you say amen? The God's amen. Last year it was breakthrough, and we had breakthrough every area of our life. L'année dernière, il y a un PSC surnaturel, et nous avons un PSC dans tout ce qu'il y a de la vie. Do you know to have a meeting at Domaine Sitlou? This is called breakthrough. Tu connais pour une réunion là dans Domaine Sitlou, appelé un PSC surnaturel. Do you know building the house of God in this financial, economic, international problem is called breakthrough? Tu connais pour comment se construire un bâtiment? Comment il peut faire là? But 3 points very important. Why and how Jacob walked in this revelation and this word. Et 3 points très importants. Qui fait Jacob? Il marche dans sa révélation de Dieu. God told him. Listen to this. This was not man. Et écoute ça bien. Bon Dieu, Angeli. Not man. Pas Andimoun. You shall prevail. Bon Dieu, Angeli, tout pour prévaloir. Number one. Number one. Remember and stand on God's promise and word. Je vous rappelle et dis-vous la promesse de Dieu. Genesis 32 verse 9. Genèse 32 9. Then Jacob said, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, the Lord who said to me, return to your country and to your family, I will deal well with you. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Please, please, look at me, amen. Regarde-moi là, s'il vous plaît. Forget about your, what you call, your roast chicken, I don't know, your champagne, your pirona, just for 5-10 minutes maximum. Oubliez là, je déjeuner, je te. This is more important. This is more important. Sa parole la plus importante. You know, I thank God, of course, we wish you a happy new year. Bien sûr, nous désirons une bonne année. My wife wished me here a happy new year. Et Bishop Madame me dit bonne année sur l'estrade là. It's okay. You're okay. But do you know, let me give you a revelation. Mais si je te connais une révélation. It's good to do that. Le bon pour faire. But wishing happy new year is not the guarantee that the year will be good. Nous souhaitons une bonne année, pas une garantie qu'il en a bon. This is what happened in 2020. Mais 2020. You still remember? You still remember? Tu te rappelles? Amen. The first January 2020. 1er janvier 2020. We say Happy New Year. Nous disons bonne année. But the year was not so happy for most people. Mais l'année n'a pas été très heureux pour beaucoup de monde. Amen. Amen. We had COVID-19. You know what happened? Nous avons eu COVID-19. Vous connaissez qui est arrivé? So it's very important. Donc très important. It is not just about wishing. Wishing is good. But there are principles to apply and walk. Mais nous avons un principe à appliquer moi aussi là-dedans. To walk in this really happy new year. Pour marcher dans sa réelle bonne année. And a blessed new year. Et une année bénie. This is what Jacob did. Number one. Ça c'est que Jacob une fille, numéro un. In verse 9. Verset 9. You know, ask him.
as he was going back to his land after 20 years, après 20 ans qu'il retourne dans son pays de naissance, of course it's a long story. He sent his servant bringing gifts for his brother. Donc une longue histoire. Il amène ma servante. Il avait cadeau pour son frère. Then his servant came back. Et là, ce bon servant est retourné. And say your brother has sent 400 men coming after you. Il dit, ton frère il avait 400 hommes de guerre pour venir contre toi. He was distressed. Il était complètement. He was afraid. Il avait peur. But look what he did. Regarde qu'il fait faire. You know, you must understand something. When God promises us, quand bon Dieu promet nous, how many of you have a promise? All of us have a promise, amen. Nous tous avons une promesse avec we Dieu. Have a vision, we have a plan. Nous avons une vision, nous avons un plan. This does not mean it will be like on a red carpet. Ça pas veut dire qu'il est pour le tapis rouge. There will be challenges. Oui, nous avons un challenge. There will be attacks. Oui, nous avons une attaque. There will be all kinds of difficulties. But look what he did. He remembered God. Somebody say, I stand on your promise. He said, God. Remember. You told me return to my country. And you will bless me. Somebody say with me. Although difficult situation, I will not give up, but I will stand on his promises. Number two, the Bible says he prevailed. He struggled against this angel. What does that mean? He did not give up. He continued in his prayer. And the word of God says in James chapter 5, dans Jacques 5, the effective fervent prayer of a righteous man avail much. La prière fervente d'un juste lui en a beaucoup efficacité. So number one, remember his promise. Numéro un, rappelle sa promesse. Remember the vision. Rappelle la vision. Oh, help me. Remember your destiny where you're going. Rappelle la destinée que tu as supposé aller. And in all these difficult times. Et dans tous ces moments de difficulté là. Be with God. Soyez avec Dieu. As you prevail in prayer. Comment prévaloir dans la prière. You shall prevail against all your enemies. Je peux prévaloir contre tous mes ennemis. Oh, can I hear an amen? Je garde amen. I say again, stand on his promise. Keep this vision. God, la vision de Dieu. Keep this dream in your heart. God, ça rêve dans ton cœur. Be focused. Soyez concentré. And stay with God. Reste avec bon Dieu. Meet God face to face. Jeune bon Dieu face à face. And this is what happened with Jacob. Ça, c'est ce qui arrive Jacob. In Genesis chapter 32 verse 1. Dans Genèse 32 verset 1. He said, I have seen God face to face. Il dit, on trouve bon Dieu face à face. He stay in his presence. Reste dans sa présence. Call upon him. Appelle-lui. Be persistent in your prayer. Je suis persistant dans la prière. There are some things that happen just like that. Il y a quelque chose qui est arrivé juste comme ça là. But the word of God tells us. Mais la parole de Dieu dit nous. There are things we have to push and pray. Et la question nous est pushée dans la prière. There's something we need to continue until we have the answer. Et la question nous est persistée là, on continue jusqu'à nous avoir la réponse. Amen. Amen. This is where many people discourage. Là, comment dit-on découragé? We pray one time and nothing happens. You say, oh, I'm discouraged. Nous no. Prions un seul coup d'après ça, nous dit, don't do this mistake. Ne pas faire ça, rien là. Jacob did not pray once. Jacob a prié un seul but coup. Jacob, mais Jacob persisted. He struggled with God. Il luttait avec Dieu. Amen. So that the word the God told him. Afin que la parole qui bon Dieu finit. You have. Il dit te pour. Prevail. Te pour prévaloir. You have struggled with man and God. Tu fin lutter avec Dieu. And you have prevailed. Et tu fin prévaloir. I give you the secret for 2021. Pour le secret pour 2021. All your word, all your promise, the promises. Tu as une promesse de for Dieu. Your personal life, your family, your business, your dream and vision, you shall prevail. You shall have advantage. Let us stand as I close, please. You shall dominate. You shall triumph. You shall
succeed. Nous pouvons succès. If the choir also can join, let us pray. Si la choir aussi one jeune, or two minutes, let us pray for this year. Un deux minutes, on va prier pour Father, cette nouvelle in the année. Name of Jesus, Papa, dans le nom de Jésus. We thank you for your 2021. Nous prions pour l'année 2021. As Jacob, pareil comme Jacob, struggle with you and man. Lutter avec toi, avec man. And stand on your word. Et let us pray, let us pray, let us pray. Or maybe let me help you this morning. Say, Lord, in the name of Jesus, le Seigneur, dans le nom de Jésus, I heard your word. On entend tes paroles. In Genesis 32. Dans Genèse 32. According to your promise. Par rapport à tes promesses. Jacob stood on your word. Il vient de bout de tes paroles. Somebody say in the name of Jesus. Dit dans le nom de Jésus. Year 2021. L'année 2021. I will not give up. Pour I will not live in frustration. Pour vivre de frustration. I will not be discouraged. Pour décourager. I will not abandon. Pour abandonner. But I believe. Mais je crois. Like Jacob. Pareil comme Jacob. What you have promised me. Ce que tu viens de promettre moi. My family. Ma famille. My business. Mon business. I believe in this word. Je crois dans sa parole. It shall come to pass. Il pourra arriver. And I pray. Et je prie. I pray. Et je prie. I pray to you. Je prie à toi. You will make a way where there seems to be no way. You will make all things possible. Somebody say with me, you will make all things possible. And your promise, your word shall be fulfilled. And like Jacob, I declare in Jesus' name, I shall supernaturally prevail. Somebody say with me, say in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Like Jacob. Pareil comme Jacob. In 2021. Dans l'année 2021. I shall supernaturally prevail. Surnaturellement. I shall triumph. I shall have advantage. I shall find favor. La faveur. And of course, because of time, continue to read this chapter. Et aussi à cause des temps, continue le chapitre. Jacob prevailed. Jacob in prévaloir. He found favor with his brother. Il faveur he was avec son frère. Restored after 20 years. De cette relation restaurée après of 20 course, ans. You know his name was changed that day. Et je connais son nom changé à ce jour-là. Jacob, which means a trisker, a supplanter. Et là, Jacob veut dire du monde qui suppliait, qui, non, qui fait trick. Qui fait trick. Amen. To Israel. Et ce nom Jacob changé. And Israel means prince with. Et Israël veut dire avec Dieu. Isn't this powerful? Est-ce qu'il n'est pas puissant? Let us pray. Laisse-nous prier, nous prier. Thank you, Lord. Merci, thank you, merci Lord. Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We thank you once again. Remercie encore une fois. For your word. Pour tes paroles. For this prophetic word. Pour sa parole prophétique. We shall prevail. Come on. Nous pouvons prévaloir. Allez-y. Pray for yourself. Priez pour vous-même. Nobody knows. Personne ne particulier. What a year has kept. Qui cette année-ci, qui est dans cette année-ci. 2020 has showed all of us. 2020, il montre nous tout. No one is in control. Personne n'est en contrôle. It is only God who is in control. C'est juste bon Dieu qui est en contrôle. It's only God. C'est juste bon Dieu. That's why we must seek Him. C'est pour ça que nous devons chercher lui. Trust Him for this year. Fais-lui confiance pour cette année-ci. Believe on His word. Crois de sa parole seulement. Continue to be with Him and pray. Continue. Avec les but we have the guarantee I shall prevail. Garantie, somebody say I shall prevail. I shall prevail. Somebody say I shall prevail. I shall prevail. I shall prevail. I shall prevail. Let us take this song. He turned the graves into garden. You turn more.
The Lord a big hand this morning. Let's applaudir, Seigneur. Once again, thank you. You may take your seat. Encore une fois, mettez ta assise, s'il vous plaît. This morning, we welcome our dear brother, friend, Mr. Danan Binwagdu. Let's give the Lord a big hand and welcome. Thank you for being present with us this morning. Et merci d'être présent pour nous ce matin. Right now, I invite preacher Sanjeev and Elizabeth. Was Elizabeth for the offering. Sanjeev et la sœur Elizabeth pour consécration. Thank you, Bishop. Merci, Bishop. Et this morning, we shall supernaturally prevail. Et ce matin, Amen. Nous pouvons prévaloir supernaturellement. And now, brothers and sisters. Et maintenant, frères et sœurs. We shall, this time, the moment for us to bring our tithes and offering to the Lord. C'est le moment pour qu'ils nous apportent, nous la dîmes et nous l'offrande au Seigneur. And I invite you to hold your tithes and offering in your hand. Et me point invite pour prendre votre offrande et votre la dîme dans votre la main. We'll read in Proverbs chapter 3. Nous pouvons lire dans Proverbes chapitre 3. Verses 3 to 10. Le verset 3 à 10. Proverbs 3, verse 3 to 10. Proverbes 3, le verset 3 à 10. So we can read it on the screen, or I'll read it in the Bible here. Et nous capables lire sur l'écran. It says, "Let love and faithfulness never leave you." Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Bind them around your neck. Lis-les à ton cou. Write them on the table of your heart. Écris-les sur la table de ton cœur. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Trust in the Lord with all your heart. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. And lean not on your own understanding. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. And in all your ways acknowledge him. Reconnais-le dans toutes tes voies. And he will make your path straight. Et il aplanira tes sentiers. Do not be wise in your own eyes. Ne sois point sage à tes propres yeux. Fear the Lord and shun evil. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. This will bring health to your bones and nourishment to your bones. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Every action there is a reaction. Toute bonne action a une réaction. As you will read everything we do. Comme vous êtes venu tout ce qui nous fait. There is a blessing. Il y a une bénédiction. Now in verse 9. Et maintenant dans verset 9. Honor the Lord with your wealth. Dis-nous honore l'Éternel avec tes biens. With the first fruit of all your crops. Et avec les prémices de tout ton revenu. I'll say it again. Et m'aurait dit aller. Honor the Lord with your wealth. Honore l'Éternel avec tes biens. And with the first fruit of all your crops. Et avec les prémices de tout ton revenu. And the verse 10 says. Et le verset 10 dit. Then your barns will be filled with to overflowing. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. And your vats will brim over with new wines. Et tes cuves regorgeront de mou. When we honor the Lord with our tithes and offering. Quand nous honorons le Seigneur avec nous la dîme et nous l'offrande. God will overflow our wealth. Dieu lui peut donner une bonne richesse en abondance. So I said, keep your tithes and offering in your hands. Laisse-nous prendre la dîme et nous l'offrande, garde-les dans nos mains. When we are born again. Quand nous sommes nés de nouveau. There are spiritual principles that have to put into practice. Et nous avons des principes spirituels qui nous besoin mettre en pratique. And these principles, spiritual principles. Et ça va des principes spirituels là. When you put it into practice. Quand nous mettons en pratique. It opens doors to blessings. Les ouvert la porte à bénédiction.
Bringing our tithes and offering to the Lord. Quand nous apportons la dîme et nous l'offrons au Seigneur. Is one of the principles that God has set. C'est un de mes principes que Dieu finit à nous faire. There's a blessing when we bring our tithes and offering to the Lord. Et a une bénédiction quand nous amène nous la dîme et nous l'offrons au Seigneur. So let us pray. Laisse-nous prier. Lord God. Seigneur Jésus. We come before your throne. Nous approchons devant ton trône. With our tithes and offering. Avec nous la dîme et nous l'offrande. We want to honor you, Lord. Nous envie honore toi, Seigneur. What you have given us. Ce qui te fin de nous. You are giving it back to us. Nous te redonne toi, Seigneur. And bless us, Lord. Bénis-nous, Seigneur. Bless our barns. Bless our everything will overflow in our life. Bénis-nous, grenier, tout ce qui est pour remplir dans nous la ville et pour venir en abondance. And we give thanks to you. Et nous donne toi, nous remercie toi, Seigneur. Thank you, people of God. Merci, peuple de Dieu. Now the sisters will bring the tithes and offering. We'll collect our tithes and offering. Et maintenant, les sœurs pour collecter les offrandes. Okay. We would like to also acknowledge, thank you, all of our brothers and sisters online. Nous aussi, on veut reconnaître mes soeurs et frères qui sont en ligne en besoin de message. Thing is live. À cause de sa réunion, elle est en ligne. We have our sister Roma from France, Marie-Nathalie France, Pravin in Canada, Esther, Rose, Shirley Moulena, Roma Gokul, Brinda Kanya, Rajesri Santi, Patrice Vinasha, Jaden. We'd like to pray for you also. Et nous les prier pour certaines personnes qui Bishop fait que c'était. Heavenly Father, in the name of Jesus. Papa, toi qui es au ciel, dans le nom de Jésus. We believe there is no distance in the spiritual world. Nous croyons qu'il n'y a aucune distance dans le monde spirituel. Once again, we thank you. Encore une fois, nous remercions. As we are praying for all our brothers and sisters online. Nous prions, mes frères et sœurs qui peuvent regarder en ligne. In Mauritius and all over the world. Dans les Maurice et à travers le monde. We pray you bless them. Nous prions que tu bénisses eux. As we starting a new year. Et là, quand on commence cette nouvelle année. We declare. Nous déclarons. That they shall supernaturally prevail. Qu'ils pourront prévaloir surnaturellement. Every area of their life. Dans tout secteur de la vie. May God bless you. Que bon Dieu bénisse vous. All over the world. À travers le monde. And may all His word be fulfilled in your life. Et qu'il se passe sa parole accomplie dans ta vie. We would like also maybe if you have invited family and friends who are here first time. Non, mais aussi je t'ai invité une famille, un camarade pour la première fois. Is there anybody first time? La première fois je viens dans le Paris. Okay, good. If ever You brought someone. I will be here. We can pray for them afterwards. Also. Well, let us continue with the meeting. We invite Gisela and Volsha. Let's give the Lord a big hand. Un grand applause pour eux. Thank you, Bishop. Thank you, Pastor Mevin. Merci, Bishop, et merci, Pasteur Mevin. Once again, a very good morning to all of you. Et encore une fois, nous souhaitons tous un très grand bonjour. And we want to welcome Bishop Kevin Permal. Et nous envie accueillir le Bishop Kevin Permal. Founder of Light Ministries International. Le fondateur de Light Ministries International. We welcome his ravishing wife, Pastor Sweetie Permal. Et nous aussi accueillir sa ravissante épouse, le pasteur Sweetie Permal. We welcome all the council members. Et nous accueillir tous les membres du conseil. And we welcome among us Mr. Dan Bimadou. Et nous aussi accueillir parmi nous Monsieur Danen Bimadou. Welcome to all the pastors. Et bienvenue à tous les pasteurs. Welcome to the team leaders. Bienvenue à tous les leaders de l'équipe. Welcome to the leaders. Et bienvenue à ban leader. Welcome to the trainee team leaders. Et tout ban team leader qui nous peut entraîner en ce moment. And welcome to all of you people of God. Et aussi bienvenue à vous tout le peuple de Dieu. And we wish you a warm welcome and are honored to by your presence amid us this morning. Et nous accueillons eux chaleureusement et nous très honorés par eux présence avec nous ce matin. Here in Domaine Sitlou, ici à Domaine Sitlou, to celebrate the new year,
pour célébrer le nouvel an, reverencing God, dans la révérence de Dieu. We wish you and your loved ones, et nous souhaitons et à tous les bien-aimés, a very happy new year 2021, une très bonne année 2021. The Lord bless you all, le Seigneur bénisse tout, His mercy and grace prevails supernaturally in your life, et cela grâce et sa miséricorde prévaloir surnaturellement dans toute la vie. And right now we'll present you a video clip, et maintenant tout de suite nous présentons un video clip of the fruits of 2020, de tout bon fruit qui nous rapportait dans l'année 2020. Amen. What the Lord has done mightily in 2020. Amen. C'est que le Seigneur il fait puissamment dans l'année 2020. So we present you the video clip. Alors nous capables regarder le clip ensemble. Thank you. Merci. Hi everyone. Salutations à vous tous. We give God all the glory. Nous donnons Dieu tout la gloire. Although COVID-19, malgré COVID-19, we have seen the glory of God in a mighty way. Nous finissons trouver la gloire de Dieu dans une façon extraordinaire. So many miracle anointing testimonies. Beaucoup de miracles et de témoignages. Together with you. Et ensemble avec vous. We have seen fruits in every area of ministry. Ban fruits dans différentes parties du ministère. Surely God bless you and your family. Bien sûr, le Seigneur vous bénit et vos familles. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. We declare. Nous déclarons. That 2021. L'année 2021. You and your family. Vous et vos familles. You shall supernaturally prevail. Et vous pourrez prévaloir surnaturel. In every area of your life. Dans toute bonne partie de où la vie. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Very happy and blessed New Year 2021. Et une très bonne heureuse année 2021. Bless you. Bénis-vous. Thank you.
Amen. Amen. Yes, we can clap for the Lord. Et nous capables de donner un grand applaudissement pour le Seigneur. And all glory be to our mighty God. Et toute la gloire lui pour nous grand bon Dieu. Who never fails us. Qui jamais lui faillit à nous. Amen. Amen. We have been blessed by the words of God. Et nous finissons être bénis par la parole de Dieu. And now, Versha, I think it's time to celebrate a bit. Et là, maintenant, je crois qu'il arrive un moment que nous sommes capables même célébrer. Je suis d'accord avec toi, Jessica. Yes, we'll celebrate together in the presence of God. Et là, nous pouvons célébrer ensemble dans la présence de Dieu. Are you ready? Est-ce qu'ils sont prêts? Please stay with us. Les reste avec nous. We'll celebrate together. Et nous faisons une fête ensemble. And afterwards, we can go home. Et après cela, nous sommes capables à la case. Okay, so right now. Et maintenant. We will welcome. Nous pouvons accueillir. The kids club, le club des enfants, for a dance item, pour un item de danse, titled Undivided Heart for Jesus. Et le nom de la chanson c'est Undivided Heart for Jesus, ça veut dire un léger sans division pour Jésus. So let us clap and encourage them, please. Alors laisse-nous capables applaudir eux très fort, encourage ben petits enfants là. We think of God, pray, read a fellowship, and we meditate, ponder, and see God. Living in God's words, we see He is the thing. The truth frees us, we taste God's real love. Church life is great, praise takes many forms. We can't help but sing and dance in God's praise. There are no rules or restraints in our praise. Sincere praise makes us joyful always. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Sing the greatness of God's salvation. We can clap together with the children. Let us clap together. Laisse-nous capables d'avoir nous la main ensemble avec les enfants.
Hey! Thank you, children. Et merci, les enfants. Our talents. The talents of Light Ministries. Et ça, c'est nous, mon talent de Light Ministries. And we want to wish a warm welcome. Et là, nous les accueillons chaleureusement. Among us. Parmi nous. The Honorable Kavidas Ramano. L'honorable Kavidas Ramano. Minister of Environment, ministre de l'environnement, Solid Waste Management, et aussi de ban changement climatique. Welcome. Bienvenue. And now we'll proceed with our program. Et maintenant nous continuons avec nos programmes. We'll call on the stage. Et nous appelons à l'estrade. Bishop Kevin. Le Bishop Kevin. And his lovely wife, Pastor Sweetie. Et ce joli épouse, le Pasteur Sweetie. On stage, please. À l'estrade, s'il vous plaît. Let us clap for them, please. Laisse-nous capables d'applaudir eux, s'il vous plaît. And we want to tell them. Et nous envie dire eux. How much we appreciate them. Combien nous apprécions eux. For their love. Pour eux l'amour. Dedication. Pour eux dédicace. And caring. Et aussi eux prennent nous soin. For all of us. À nous tout. And the undivided dedication et sa dévotion sans partage for God pour Dieu to see the kingdom of God pour trouver le royaume de Dieu move forward qui capable bouge de l'avant. I think that's the cry of their heart. Et ça me croit, c'est un cri de cette lecture. That to see people being saved for Jesus. Ils ont content trouve une personne sauvée pour Jésus. Do you agree? Est-ce qu'ils sont d'accord avec nous? They deserve a great round of applause. Et vraiment, ils méritent un très grand applaudissement. And we welcome on stage. Et nous accueillir à l'estrade, Sister Maryse. La sœur Maryse. Who will present a gift of appreciation. Qui vous présente un cadeau d'appréciation. To Bishop Kevin and Pastor Sweetie Permal. Au Bishop Kevin et au Pasteur Sweetie Permal. Thank you, Bishop. Thank you, Pastor Sweetie. Thank you, Sister Maryse. Et merci, Bishop. Merci, Pasteur Sweetie. Et merci, la sœur Maryse. And now we'll continue. Et maintenant, nous continuons. And we will welcome back the children. Et nous pourrons accueillir encore une fois ben, les autres enfants. Bigger children now. Ben, un peu plus grands maintenant. Who will perform a dance. Qui se promote une danse. Titled. Qui se titre c'est Vinara Vinara. Vinara Vinara. So let us welcome them on stage. Alors laisse-nous capables applaudir nous une très jolie danseuse. Yes, très our très beautiful faux. Ladies, little ladies. Et nous une très jolie demoiselle.
Vinnara, vinnara, shubhavarta, shubhavarta. Mana koraku ee lokamlo rakshakundu puttenu. Vachenu, vachenu, ee lokaniki vachenu. Techenu, techenu, sambaralu techenu. Hey, vinnara, vinnara, shubhavarta, shubhavarta. Mana koraku ee lokamlo rakshakundu puttenu. Vachenu, vachenu, ee lokaniki vachenu. Techenu, techenu, sambaralu techenu. Uruvada tirigi, ee vartha cheppedam. Yesayya puttadani panduga chesedam. Uruvada tirigi, ee vartha cheppedam. Yesayya puttadani panduga chesedam. Vinnara, vinnara, shubhavartha, shubhavartha. Mana koraku ee lokamlo rakshakundu puttenu. Vachenu, vachenu, ee lokaniki vachenu. Techenu, techenu, sambaralu techenu. చెప్పానంట రక్షకుడు పుట్టాడని కొల్లలు వచ్చిరంట పలుని చూచిరంట దూతలు చెప్పానంట రక్షకుడు పుట్టాడని కొల్లలు వచ్చిరంట పలుని చూచిరంట పరలోక దూతల సమూహముతో స్తోత్ర గీతాలు పాడిరంట లోక రక్షకుడు మెస్సయ్యేనని ఆనంద చెప్పేదాం ఏసయ్య పుట్టాడని పండుగ చేసేదాం ఊరువాడ తిరిగి ఈ వార్త చెప్పేదాం ఏసయ్య పుట్టాడని పండుగ చేసేదాం. చెప్పానంట రారాజు పుట్టాడని జ్ఞానులు వచ్చిరంట బలుని చూచిరంట హే తారొకటి చెప్పానంట రారాజు పుట్టాడని జ్ఞానులు వచ్చిరంట బలుని చూచిరంట బంగారు సమ్రాణి భోడమును కానుకగా ఇచ్చి వచ్చిరంట రాజులకు రాజేసయ్యేనని సంతోషముగా వెళ్ళిరంట ఊరువాడ తిరిగి ఈ వార్త చెప్పదా ఏసయ్య పుట్టాడని పండుగ చేసేద్దాం ఊరువాడ తిరిగి ఈ వార్త చెప్పదా ఏసయ్య పుట్టాడని పండుగ చేసేదా. విన్నారా విన్నారా శుభవార్త శుభవార్త మన కొరకు ఈ లోకంలో రక్షకుడు పుట్టెను వచ్చెను వచ్చెను ఈ లోకానికి వచ్చెను తెచ్చెను తెచ్చెను సంబరాలు తెచ్చెను. హే విన్నారా విన్నారా శుభవార్త శుభవార్త మన కొరకు ఈ లోకంలో రక్షకుండు పుట్టెను వచ్చెను వచ్చెను ఈ లోకానికి వచ్చెను తెచ్చెను తెచ్చెను సంబరాలు తెచ్చెను. ఊరువాడ తిరిగి ఈ వార్త చెప్పేదాం ఏసయ్య పుట్టాడని పండుగ చేసేదాం ఊరువాడ తిరిగి ఈ వార్త చెప్పేదాం ఏసయ్య పుట్టాడని పండుగ చేసేదాం. యే
Yes, thank you, beautiful ladies, for this performance. Et merci, tout le monde, jolie demoiselle, pour sa jolie performance là. And I think you all receive a lunch pack. Et je crois qu'ils ont tous été recevoir un petit paquet déjeuner. So we want to thank Light Ministries. Alors nous les remercier Light Ministries for offering every one of us this light lunch. Pour être capable d'offrir à chacune d'entre nous ce déjeuner léger. We appreciate. Nous vraiment apprécier. Thank you. Merci. And now we will call back on stage. Et maintenant nous pour rappel à l'estrade. Bishop Kevin. Le Bishop Kevin. And Pastor Sweetie. Et le Pasteur Sweetie. For the vote of thanks. Pour les remerciements. Thank you. Merci. Well, we have come almost to the closing of this first year, New Year's celebration. Bien, nous termine pour ça la fin l'année célébration là. First of all, we want to give God all the glory. Premièrement, nous donnons Dieu toute la gloire. Can we give the Lord a big hand for the Lord? Est-ce qu'il nous capable taper une grande main pour le Seigneur? Amen. For this, amen. For last year. Pour l'année dernière. We are still alive. Et qui nous toujours vivants. And we're still moving forward. Et nous pouvons toujours bouger à de l'avant. We want to thank all the organizing committee. Donc nous le remercions toute l'équipe qui vient organiser. Let's give the Lord a big hand and appreciate them. Nous tapons grand la main pour eux et nous apprécions eux. You know, I don't take things for granted. Mon pas prend quitte chose à légère. This is a massive work. Ça c'est un travail massif. You know, it's an empty hall. We had to bring everything here. Et c'était un hall qui était vide et nous nous amènent tout qui like I said ici. Earlier, there are people leaving this place very late at night last night. Et hier soir, vraiment, il y a une personne qui vient quitter sa place à très tard. And of course, after the meeting, pack up everything, bring it back là, there. Et là, quand réunion pour terminer, let là, pour us appreciate them. À quatre bons. Donc, laisse-nous apprécier les autres. And all the council members, et all the ministers, all the leaders, et tout bon leaders, every brothers and sisters, et tout bon frères et sœurs, all the family and friends who joined us this morning. Et tout bon famille et amis okay, qui viennent nous. Let's give the Lord a big hand. Laisse une grande main pour le Seigneur. Also, we want to thank the presence of Honorable Kavi Ramanu. Aussi, nous les remercions la présence de l'honorable Kavi Ramanu. Nous tapons une grande main pour lui. You know. They know us. We have been inviting them. They're still remembering when we were doing a biryani at that time. Before, we had a tent in front of the building in Quatre Bornes having biryani. There was a year we gave vindu curry. We brought a goat, cut it there on the spot. And dal curry, but we can't do it now. God has multiplied his people. But we thank all the team again. And for this light lunch. Yes, and for this light lunch. And also our dear brother and friends again, Mr. Dan and Bima. Let's give a little bit of time. Monsieur Dan and Bima, nous tapons grand la main pour lui. The ex-mayor of Quatre Bornes. Et l'été ex-mayor de Quatre Bornes, maire de Quatre Bornes. Welcome us heartily. Thank you. Et tout le temps vraiment, ils viennent accueillir nous. Of course, there was other honorable time. I was supposed to be there. I don't know. Maybe you know, it's New Year. It's not easy. We understand. Bien sûr, il y a plusieurs bonnes personnes qui viennent être invitées, mais à cause le 1er janvier aujourd'hui. So thank you, everybody. Let's give a little big. Donc, nous les disons tout un grand merci. Tape un grand la main pour cette main. Don't forget. Et pas oublier. On Sunday. Dimanche, we will be back in Quatre Bornes building. Nous pour à Quatre Bornes. At in our premises there. À Quatre Bornes. Okay, bye bye Sitlou for the time being. Donc nous dire bye bye Sitlou. Pour le moment. Amen. Pour le moment. Est-ce qu'un nouvel hôte nous amène une autre réunion, d'accord? We welcome back Professor Jusila and Valsha as we close in the birthdays and closing prayer. And of course, we will have some music. Nous pour taper nous la main. Merci. Thank you once again, Bishop and Pastor Sweetie. Merci encore une fois, Bishop et Pastor Sweetie. And now we would like, Bishop would like to pray for those celebrating
their birthdays or wedding anniversaries. Et maintenant, le bishop tiens, voudrait prier pour tous ceux qui peuvent fêter l'anniversaire ou anniversaire de mariage. So, do we have among us someone celebrating their birthday or even your wedding anniversary? Please don't hesitate. You can come forward. Et si nous avons parmi nous quelqu'un ou quelqu'une qui peut célébrer son anniversaire aujourd'hui ou bien l'anniversaire de mariage, pas hésiter, viens devant. Please come. Bishop S'il vous plaît, and Pastor Sweetie will pray. Et Bishop et le pasteur Sweetie pour prier. And our online viewers as well. Et aussi à tous ceux qui peuvent regarder nous en ligne. So no birthday request for our online viewers. Et nous peinons un anniversaire aujourd'hui en ligne. Okay, let us stretch our hand and pray for all our brothers and sisters. Laisse-nous capables étendre nous la main et nous prier pour tous nos frères et nos sœurs. What a week to celebrate birthday. Et quelle semaine pour célébrer l'anniversaire. Of course, the husband has double gift. Et bien sûr, l'époux lui a un double cadeau. You know this. All the men knows about it. Tout mal, monsieur, vous êtes comme ça. No gift, no food. Pas un cadeau, pas un manger. Let us pray. Father, in the name of Jesus, nous allons prier, papa, dans le nom de Jésus. We pray for all our brothers and sisters right now. Nous prions pour tous nos frères et sœurs maintenant même. For a good health. Pour une bonne santé. Long life. Et longue vie. And in all their dreams and vision. Et de tous leurs rêves, de leurs visions. They shall supernaturally prevail. Je pour prévaloir surnaturellement. And also they will have a blessed year. Et aussi, je prends une année bénie. Thank you. We wish you a very happy birthday. Merci et nous souhaitons un très joyeux anniversaire. And also a gift from the church for you. Et aussi un cadeau de la part de l'église. Happy pour birthday. Eux. And bon we sing for you. Okay. Et nous pour chanter pour eux. Bishop, merci Pastor Sweetie. And now we'll do the closing prayer.